Je vais faire une petite série de tutos en français sur Gatsby.js. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de comment il fonctionne, les avantages de l'utiliser, et puis voilà, pour éventuellement le prendre en compte dans un prochain projet. Donc j'ai une série de tutos qui va suivre. Donc le premier tuto c'est aujourd'hui. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne Gatsby.js, quels sont les avantages. Ensuite, on va installer Gatsby sur la machine en local et on va lancer un mode dev pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on va voir ce que c'est Gatsby. Donc, Gatsby.js, c'est un générateur de sites statiques qui est 100% JavaScript avec une interface front qui fonctionne avec React.js. Donc, les premières compétences obligatoires pour suivre ce tuto, en tout cas, ou utiliser Gatsby, c'est d'avoir au moins des compétences en JavaScript, donc avoir au moins les bases pour comprendre ce qui se passe, comment on écrit, et aussi comprendre un petit peu React.js, voir comment ça fonctionne. Ça vous aidera pour comprendre vraiment le fonctionnement de Gatsby, puisque React est au cœur de Gatsby, en tout cas pour l'interface front. Donc, on va voir aussi que Gatsby est capable d'agréger de multiples sources de données. Donc, je vais aller sur le site. Voilà, sur la page d'accueil du site, ils expliquent simplement avec un graphique Gatsby, ce qu'il est capable de faire, c'est d'aller récupérer des data de différentes sources. Donc ça peut être des sources qui viennent d'un CMS, Drupal, WordPress. Ça peut être des fichiers statiques, du type Markdown, ou ça peut être une API propriétaire que vous avez en interne dans votre entreprise, ou ça peut être des fichiers CSV ou JSON. Enfin, il y a vraiment différentes sources qu'il est capable d'aller chercher via des plugins qu'on peut installer ou via un code qu'on peut écrire. Ensuite, avec tout ça, donc on peut utiliser en même temps plusieurs sources. Ça, il faut le savoir. Avec toutes ces sources, il va les transformer en données GraphQL. Et ces données GraphQL, on va pouvoir faire des requêtes à l'intérieur de votre application pour récupérer les données et les afficher. Donc, en gros, il agrège de multiples sources de données, il les transforme en une seule donnée qui vient de GraphQL, et à partir de là, vous faites vos requêtes. Donc ça, c'est un gros avantage, ça facilite la récupération des données. Et l'usage de GraphQL est vraiment assez facile, et on verra derrière qu'il y a une interface qui permet de faire des requêtes facilement pour faire des tests, etc. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne un générateur de site statique par rapport à un site type WordPress qui va tourner sur PHP. Donc on va aller voir un petit graphique. Donc quand vous avez un site PHP du type WordPress ou Drupal ou enfin ce que vous voulez, vous avez donc des requêtes qui sont appelées du navigateur par le visiteur. Il appelle le serveur et PHP va se mettre en route par rapport à une URL et il va générer une page HTML. Donc, il y a des fonctions qui vont être appelées, il va appeler la base de données, etc. Donc, à chaque fois, il y a tout un script qui se met en route pour renvoyer une page HTML au navigateur. Donc, il faut bien comprendre forcément qu'à chaque fois, le serveur travaille pour renvoyer des pages. Donc, c'est ce qu'on appelle un site dynamique qui est capable de générer des pages en fonction des requêtes. Quand on a un site généré en statique, c'est un petit peu différent, puisque vous avez le générateur de site statique. Donc on en a plusieurs, nous on est sur Gatsby, vous avez beaucoup d'autres systèmes qui existent avec d'autres langages, du type Hugo ou Jekyll. Donc le générateur de site statique va vous générer des fichiers HTML que vous allez placer sur le serveur. Et donc quand le navigateur va appeler une URL, le serveur va lui renvoyer une page HTML directement. Il n'y aura pas de script ou de langage serveur qui va se mettre en route. C'est juste des fichiers en .html qui sont hébergés. Donc il faut bien comprendre que c'est forcément plus rapide et un peu plus sécurisé, puisque les fichiers HTML par défaut ne sont pas injectables, mis à part les formulaires, mais ça après c'est un autre problème. Donc pas mal d'avantages. Et bah voilà quoi. En gros, les grosses différences, c'est ça, c'est qu'on a vraiment des serveurs beaucoup plus simples qui renvoient simplement des pages HTML. Et du coup, vous pouvez même utiliser des CDN pour héberger vos pages HTML. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, puisque c'est très très léger et très facile à mettre à jour. Donc,
Là, on a vu comment fonctionnait Gatsby. Donc maintenant, on va essayer de l'installer. Donc pour installer Gatsby, il y a quelque chose qui est obligatoire, c'est déjà de savoir utiliser le terminal. Donc sur moi, je suis sur Mac. Donc sur le Mac, on a le terminal qui est disponible par défaut. Donc est ici. Sur PC, je sais pas trop parce que j'utilise pas de PC, donc je suis désolé, mais je crois qu'il me semble qu'il y a un terminal qui est disponible aussi. Donc il faut donc être à l'aise avec le terminal et aussi avoir Node installé sur la machine. Donc pour installer Node, c'est assez facile. Vous allez sur le site node.js.org, vous cliquez sur la dernière version et vous l'installez. Voilà, ça ouvre un utilitaire qui va installer Node sur la machine sans problème. Donc une fois que vous avez fait tout ça, bon, ça prend forcément un petit peu de temps, hein. Une fois que vous avez fait tout ça, pour vérifier si Node est bien installé sur votre machine, vous tapez juste un Node-v. Vous allez avoir la version de Node qui est installée sur la machine. Donc là, c'est la 13.12, qui est la dernière version en cours. Et par défaut, vous allez aussi retrouver npm, donc le gestionnaire de package qui est par défaut pour Node. Donc vous faites pareil, hein, vous faites un npm-v. Et vous avez la version de npm, donc à partir de là, on peut commencer à travailler. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on a installé Node, etc., on va installer donc la ligne de commande Gatsby qui va vous permettre assez facilement de lancer des commandes Gatsby pour créer des nouveaux projets ou autres. Donc, pour faire l'install de Gatsby CLI, ça se fait au niveau global. Donc, quand on installe un package au niveau global, ça veut dire qu'il sera disponible sur toute la machine et sur tous les projets. Donc c'est un npm install -g, donc global, et le package c'est Gatsby-CLI. Donc vous installez ça. Moi je l'ai déjà en local, donc je ne vais pas le réinstaller. Vous installez ça et à partir de là, on peut commencer un nouveau projet. Donc comment on fait un nouveau projet sur Gatsby? Donc le fait d'avoir installé Gatsby-CLI en global, ça nous donne accès à une commande globale. Donc dans le terminal qui s'appelle Gatsby, tout simplement. Donc pour voir ce qui est disponible comme commande, vous faites un Gatsby-help. Et là, il va vous donner une petite liste de commandes qui sont disponibles. Donc on voit qu'il y a plusieurs commandes. Donc pour créer un nouveau projet qui est donc cette ligne-là, il y a un Gatsby new. Donc le rootpath, c'est le nom en fait du projet. Donc quand vous faites un new, il va créer un projet avec un dossier avec le projet Gatsby à l'intérieur, et le starter, c'est le starter qu'on va utiliser. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que le starter, c'est une sorte de bootstrap en fait de projet qui est disponible. Donc il y en a un par défaut. Donc le starter par défaut, c'est celui-là. C'est le Gatsby-starter-défaut qui est sur le GitHub de Gatsby.js. Donc c'est un starter qui est assez simple, qui vous met vraiment le basique, mais qui vous permet déjà de démarrer un projet sans vous prendre la tête. Après, on a différents starters qui sont disponibles donc sur le site gatsby.org, donc slash starters. Donc attention de bien prendre la V2, parce que là, je vous parle de la version 2 de Gatsby. Donc il y a différents starters qui sont dispo avec différents outils. Donc c'est proposé soit par Gatsby, soit par des développeurs indépendants. Voilà, vous avez tout plein de starters avec des exemples, les outils qu'ils ont utilisés dedans, ce qui est disponible, les auteurs page. Et vous avez même un lien donc, qui est ici pour aller voir ce que ça donne en vrai. Vous avez aussi donc, la ligne de commande qui permet d'installer le projet avec le starter. Donc comme je vous disais, donc là c'est Gatsby New, le nom du projet et l'URL du starter. Vous voyez que c'est un GitHub. C'est un dossier, c'est un simple repository GitHub, ce qui veut dire que vous aussi, vous pouvez créer votre propre starter. Si vous avez une habitude d'utilisation de différents outils, SaaS, etc., bah, faites votre starter avec vos outils, vos habitudes, vous l'hébergez sur votre GitHub, et quand vous créez un nouveau projet, bah, vous allez le chercher, et il va vous créer un projet avec votre starter. Donc c'est plutôt pratique pour éviter à chaque fois de retaper les mêmes commandes, de réinstaller les mêmes plugins, etc. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser, c'est pratique. Donc moi, j'ai déjà fait un premier install avec le starter par défaut. Donc je vous laisse faire une install en tapant Gatsby new, le nom que vous voulez. Moi, j'ai marqué test, et c'est tout. Vous appelez sur Enter, entrée,
et là la machine va se lancer. C'est un petit peu long au début, ça dépend de la puissance de votre machine, mais voilà, moi je l'ai déjà fait donc je vais pas le faire, on va gagner du temps. Donc quand on a installé Gatsby, bah on arrive comme ça, voilà, on a notre premier projet avec des fichiers par défaut, on a quelques outils disponibles, le Gitignore, etc. Donc je vous expliquerai dans le deuxième tuto à quoi servent les fichiers qu'on a à la racine. Donc voilà. Et ce qu'on va faire pour finir cette première vidéo, on va lancer le mode dev. Donc par défaut, dans le starter, vous avez un package.json avec des scripts donc, qui sont écrits ici, donc qui utilisent tout simplement la ligne de commande Gatsby. Hein. On retrouve toujours notre commande Gatsby qui est ici. Donc on a deux solutions, c'est soit on fait un Gatsby develop pour lancer le mode dev. C'est soit je fais ça, soit je fais un npm run develop. C'est exactement la même commande. Il va lancer l'environnement de dev. Donc il construit le site à partir des sources, tout ça, des pages, en mode développement. Donc pas du tout optimisé et pas du tout compressé, etc. Et là on va voir. Donc il a un autre reload qui est disponible pour recharger le navigateur automatiquement. Enfin comme un petit peu un environnement de développement React. Donc on a l'URL qui est localhost 8000 par défaut. Donc on peut aller voir le starter à quoi ça ressemble. Voilà, Gatsby avec deux pages. Donc là, on a la page d'accueil, on a la deuxième page. Voilà, il n'y a pas grand-chose dedans. Et ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est donc l'interface GraphQL que je vous expliquais juste avant. Donc GraphQL qui est une interface qui permet de faire des requêtes GraphQL au niveau de votre projet. Donc là, on n'a encore pas grand-chose, mais on voit déjà toutes les données qui sont disponibles au niveau du projet. Donc si on prend par exemple le All Site Page qui est ici. On peut faire une requête pour connaître en fait les pages qui sont disponibles au niveau du site, le nombre de pages. Et voilà, je lance la requête, bah, ça me répond de suite. Donc on voit bien toutes les pages, la page 2, la 404, etc. Il y a une dernière chose, bon voilà, GraphQL ça c'est pratique, on utilisera beaucoup plus tard pour tout ce qui est requête et pour réutiliser les requêtes GraphQL dans nos pages. Voilà, pour ça sert à vraiment de test, savoir ce qui est disponible, tout ça. Donc c'est une interface qu'on utilise beaucoup quand on développe avec Gatsby. Au niveau de l'interface publique, une dernière chose que je voulais expliquer, c'est que donc là vous avez 5 pages qui sont générées. Et pourtant j'en ai que 2 qui sont dispo. Alors je vais expliquer pourquoi. Si vous voulez voir lister les pages en fait qui sont dans votre projet Gatsby, vous faites un slash et vous tapez n'importe quoi tout simplement. Il va vous envoyer sur la 400 cache de développement, la 404 de développement, qui liste les pages disponibles. Et vous allez me dire, ah mais attends, il y a 4 pages là, pourquoi il me dit qu'il y a 5 pages? Tout simplement parce qu'il ne liste pas la page 404 de développement qu'on retrouve en fait ici. Voilà, la dev 404 page, qui est donc cette page-là, qui affiche, donc qui s'affiche que en mode développement. En production, il y aura juste une 404 classique. Hein. C'est que je peux vous faire voir après. Donc là, on a la liste des pages, voilà, qui sont disponibles sur le site. Et la page en production sera celle-là. Voilà. Not found. Classique 404, et on a toujours le contrôle sur cette page. Donc voilà, donc on a vu à peu près ce qu'on devait voir dans ce premier tuto. Donc on a installé Gatsby, on a lancé le mode développement, on a un petit peu vu tout ça. Je vous ai expliqué ce que c'était Gatsby en gros, comment ça fonctionnait. Donc dans le deuxième tuto, bah, on va essayer de comprendre un petit peu les fichiers du projet, à quoi ils servent. On va essayer d'ajouter une page et on va lancer un build pour la production pour voir un petit peu bah, ce qui va nous générer comme fichier. Moi, je vous remercie et j'espère vous retrouver dans le deuxième tuto.